Hey, on fait cette recette-là de kebab aux cerises. Oui. Et là, c'est des souvenirs, hein? Oui. À Alep, là, je me souviens, on est arrivé à 4 h du matin. L'hôtel était bien, mais il n'y a pas de chambre à l'hôtel. Dès que le soleil s'est levé, on est allé au souk. Et évidemment, on voulait découvrir c'est quoi les secrets des épices d'Alep, dont celui-là, le célèbre 7 épices. Puis là, il y a un marchand qui avait l'air plus sérieux que les autres. Bon, on va voir. Évidemment, le mélange est moulu. On parle. Et on ne parlait pas l'arabe. Lui, il ne parlait pas français ou anglais. Mais du coup, il réalise qu'on est en train d'essayer de lui voler sa recette. Alors, boum! Mais voler, wow! Ben, voler. Alors là, on dit, regarde, on va échanger. On lui a montré notre mélange de ras el hanout marocain. Là, oh, intéressant ça. Alors là, on a échangé la recette. Et ce qu'on a découvert, c'est que lui, il mettait dans son 7 épices d'Alep une 8e épice qui est le galanga. Et ça, on l'a gardé. Même si par la suite, on a continué à espionner. Tu dis ça, c'est drôle, parce que j'ai lu récemment qu'il y avait un sultan d'Istanbul qui envoyait son chef espionner à Alep. Ben, bien sûr. Parce que... Ben, elle avait les réputés depuis des millénaires pour bien manger. Il y avait tous ces caravanes qui rentraient avec toutes sortes d'ingrédients exotiques nous, et tout. On a passé une semaine là-bas. Je me souviens, on a magasiné des épices et manger pendant une semaine, c'est pas compliqué, c'était tellement bon. Tu te souviens le restaurant? Oh mon Dieu, on a mangé cette recette-là? Oui. C'est là qu'on a vraiment découvert la chose, puis on commande, puis à un moment donné, le serveur, il arrive, puis il dit, « Monsieur, dame, excusez-moi, vous avez trop commandé. » On a tout mangé. Je me suis arrivé à l'hôtel, j'avais tellement mal au ventre, ça valait la peine, c'était tellement bon. Donc, Alep, sa réputation, définitivement, elle la mérite complètement.